je sais pas. Il était pas dimanche, René ? Si, mais... Bonjour, ça me va pas ? Oui, oui. Je vais carrément me mettre là à l'arrêt de bus, je peux pas le faire. Hein. Ah bon, et vous venez me reprendre là 200 mètres plus loin, ça va ? On doit sans vous gagner ça parce qu'autrement ça vaudrait pas le coup non plus. Je vais te faire une photo avec la duvel derrière. Non. Juste trop vu pour vrai en vrai.
cherche tout ça, alors on va en déjà rentrer dans une salle. On va, à partir de maintenant, rentrer dans toutes les salles. Et partout, j'ai beaucoup à dire. Donc, on aura besoin de notre temps. Et ici, on va d'abord, vous voyez, la démonstration de puissance. Ça peut être un peu de tout, et de tout un peu. Et on va d'abord... On n'a toujours pas remplacé par François. XVIe siècle là. C'est Albert et Isabelle qui nous régnaient, les archiducs, qui nous régnaient dans le temps espagnol. Mmh. Parce qu'il y avait une guerre de religion et on était tous obligés de devenir catholiques du berceau jusqu'à la mort. Et parce que XVIe siècle. Et tout d'un coup, c'est terminé. Ils ont amené les gens riches. Le 19e siècle, c'était la plaque tournante de tout ce qui passait du monde. Parce qu'on a même mis de nouveaux quais, je vais vous dire ça plus tard quand je vais parler de la Louvre, qu'on a fait un nouveau quai à l'époque de Léopold II. Pays comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait des collectionneurs. Et ils ça ne s'arrête jamais. Des invités, on le mettait sur la table. Quand ils ont 12 ans, ils vont être... Quand on parle à la vie, les pieds de chaise. Oui, et c'est très drôle de honte. C'est de toute beauté, on a mis une... C'est une finesse. Hein. C'est de toute beauté, les garçons. Ils ont fait de ses ancêtres, de plus qu'on gagne ça, ça va de père en fils. Ça... Mais chaque fois, les objets de ses ancêtres sont là. Il a fait ça dans un matériel qui est tout à fait nouveau, qui n'est plus maori. Il a divisé ça moderne, mais avec les objets dedans. On va une fois voir un objet très spécial ici. D'abord, je veux dire ça. Parce qu'il a fait un ancêtre de nous. Ça, c'est lui, il est tout à fait Georges Lucou, et il est tout à fait dessiné. Et vous voyez, il a fait notre ancêtre là. C'est lui, c'est Georges Lucou. Et la moitié de son temps, il vit ici en Europe, mais surtout ici à Anvers. Pour le soleil et la pluie. Et on demande la force de bon conseil.
En brique, mais en pierre qui vient. Et parce qu'il a fait une tour, il a reçu une place ici qui est très grande et il y a un objet d'art dessus, mais on ne va pas encore voir. On va voir quand je vais finir à parler ici. Quatre lignes de médaillons comme ça. L'Italie, c'est la ville. C'est fait par Scamozzi. C'est l'architecte Renaissance. Il a dit, ça c'est la ville idéale, parce que d'où vous venez la porte. Seulement une phrase, pas plus de 60 caractères. A et E, et souvent la W, parce qu'on ne peut pas dans notre langue, et au moins de consonnes possibles qui viennent dans le monde inverse. Je vais vous expliquer ce qui est là, ce qui est marqué. On commence par voir. Ici, c'est voir. Ça veut dire de la marchandise. Ça veut dire où. Ça veut dire vrai. Mm-hmm. Tout ça, ça veut dire voir. Donc, il dit voir, voir, voir. C'est chaque fois voir, 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 là où l'eau veille. C'est une question que je vous demande. Est-ce que l'eau veille ici? Il y a le bassin Guillaume. Il y a le bassin Bonaparte, c'est creusé dans l'époque de Bonaparte, tous les deux, et 100 ans plus tard, la donnée Bonaparte et Guillaume, parce qu'on est devenu la Hollande, après Waterloo. Il dit, voir Waterloo, là où l'on veille, et ce qui avait de la valeur, plus tard, ou plus tôt, est conservé ici. Et nous, on le fait, des gens qui ont conservé autant de projets, objets, et nous, ce qu'on fait, c'est les observer, c'est les conserver surtout, pour ceux qui viennent derrière nous. Et il y en a beaucoup, parce que plus tard, c'est conservé comme marchandise, en soi. Et puis, c'est comme un serpent qui se mord dans son... Pas si comme le soleil. C'est le côté sèche. C'est la plombe en dimension de la lune. Vous sentez comme si vous étiez dehors. Oui, et là, on voit. Il y a de l'artère, les poupées au port. Si vous. De nouveau, en 1894. De nouveau, en 1920. C'est trois fois à Anvers. Comme on est modeste, c'est le monde entier, le centre, c'est Anvers. Partie sud, parce qu'il y avait une forteresse. Il y avait la forteresse d'Alva. Puis on a enlevé. Et on les a tous fermés au 16e siècle. Et ici, 19e. C'était très profond, très riche. Quand on n'avait pas d'argent, il vous coupait la main et la jetait dans la rivière. Et ça veut dire dans ma langue, j'ai laissé le bonbon jusque dans le. Puis il est là, le géant du Romain, le fier, c'est fait en papier mâché. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Qu'il a mâché un prisonnier dans la prison, on a tous ses études, les gens, regardez, toutes les rues, c'était des canaux. On part chaque fois avec son bateau dans la ville. On disparaît dans la ville, on fait le demi-tour et on sort. Toutes ces maisons-là que vous voyez sont disparues. On est un quai de 6 km et on a enlevé tout ça. Tout ça, l'église n'existe plus. Le sucre, les pierres, la bière, le bois, le fer. C'est la
On a pris une autre hauteur pour ne pas que les handicapés. Il n'y a rien qui sont venus de notre musée. Ben voilà. C'est naturellement très tôt, quand on est toujours numéro un, un pied d'une façon à l'autre, sur le 1 km. Il fallait attendre ici, hein, pour être. Les crânes qui n'étaient pas bons, ici, il est bon. Mais on discutait toute la journée. Mon mari, ça, moi, j'ai mal à la tête. Et ma mère, si, et mon père, ça. Mais on ne travaillait pas. Donc, c'est pour ça qu'il fallait mettre un sac en dessous. Et il était pesé à la fin de la journée. Chaque jour, on met une bougie. On allume une bougie avec la grande bougie qui est là, au milieu. D'abord à la droite, premier jour. Deuxième jour, troisième jour. Et puis avec six, c'est le menorah. C'est le symbole aussi. Il est toujours en or, en plein or. Ça, c'est un. De l'or. Mais pour ces gens-là, ils sont ramassés comme des cailles. Et la tête qui était le plus principal. On va toujours gagner. On peut aussi perdre. C'est cousu. D'abord, derrière l'arbre, vous voyez une tour avec un escalier colimaçon. Thank you.
Voilà. Donc vous voyez, cette conception du port d'Anvers, depuis longtemps elle n'est plus en fonction, mais il y a jadis, un jour, la différence d'eau, il n'y a pas facilement 4-5 mètres d'écart. Hein. C'est ça la fonction de l'écluse. Ça c'était l'écluse la plus importante du monde, il y a 102 exemples. Vous allez voir les planches, les palettes, ça c'est pour Calais, hein, parce qu'il y a une marchandise doit être bien Calais. De grandes, Exxon et Total que vous connaissez sûrement encore du nom de SIBP ou Petrofina. Hein, l'éthylène à moins 102 degrés et le tanker que vous voyez, le bateau brun là, c'est un tanker double paroi parce qu'il transporte l'éthylène. L'éthylène est un gaz, il est difficile à voir, d'ailleurs pour le moment on n'en voit pas. Mais il y a aussi des tours que beaucoup ont encore connues sous le nom Kreuzchans du temps de l'Europe. Si vous savez que la tour de la cathédrale anversoise ne fait que, 120 rives droites qui font la connexion entre rive droite et rive gauche. Parce que l'usine qui est droit devant nous, la grande cheminée, c'est pas hier. Vous allez bien voir, donc ici à notre droite, c'est la porte de l'écluse, derrière cette porte, il n'y a que des tankers. Vous voyez que le pont est dressé. Ce n'est pas un tanker, c'est un chargement conventionnel. Où tu vas tout droit. Hein. Partie de Bayer, qui est devenue autonome. L'Access, c'est par exemple tout ce qui est caoutchouc à notre gauche, qui longe cette route. Hein. Tout ça sont des grandes. Voilà, ici un peu plus loin, il y a la salle officielle. Ça, c'est un bateau. Hein. Là, tu vas à droite. Une écluse qui a 68 mètres de large. Mais ça permet de voir la plus grande crue du monde, c'est une crue flottante qui s'appelle Elephant, un Elephant. Vous voyez le Brabo, notre plus grande des crues, une crue, alors elle fait des travaux, hein, des travaux d'entretien, droit. Oh, elle est tout droit, allez. Donc elle déplace des conteneurs vides, donc elle peut les entasser 5, 6, 7 de haut, 366 mètres de long. À l'entrée du canal du Panama, parce qu'on va agrandir la capacité. Imaginez bien que ce sont des techniques. Donc, jetez un coup d'œil. Deux fois des portes, parce qu'il y a toujours une porte réserve spéciale, doit venir assister. Ça ne se voit pas tous les jours. Hein. L'écluse Royers, la plus grande du monde il y a 100 ans, est souvent utilisée pour la navigation de plaisance. Donc ils ne vont pas ici, dans les bassins. Thank you.
Alors, je vais essayer de faire arrêter Eddie à un endroit où on peut avoir un peu une vue sur ce bassin qui est énorme. C'est Home Tom, non ? Là, ces grues-là vont charger ou décharger le bateau. Alors le grutier, l'opérateur se situe tout en haut, quoique ils sont à l'arrêt, mais dans les cages jaunes, j'espère un tout petit peu ce qui se passe. Vous voyez ici les camions à votre droite. Alors, un chauffeur a quitté sa cabine, hein, parce qu'il est trop dangereux. Tout ça est informatisé, bien sûr. Ils ont un numéro de conteneur, chaque conteneur a un numéro individuel. Tout ce qui est dédouanement, affrètement, etc. Et eux, les 366 mètres, doivent tout à fait contourner les continents. Voilà. Ou des grues, vous voyez les éléphants qui font leur balai. Vous allez me déposer quelque part près de la gare. Comme ça, je récupère ma part. Votre droite, vous encore ce fameux bâtiment. Et ici, à gauche, commence le canal.